Bonjour aux nouveaux arrivants. A minute, please. Là, je travaille un peu la lumière, la luminosité. J'ai une idée. I have an idea. Let us try this idea and see what will happen after. Oh, yes. Let us go on. Voilà, ça résout les problèmes. Ouf, la vie, c'est de bonnes idées. Bonjour, oh, un instant. Là, c'est la bonne fois. Je ne pense pas que je vais encore me lever. Mais c'est dur comme moi maintenant. Je vais faire avec. Bonjour à tous. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Je tiens à vous dire que je vous aime beaucoup. C'est sérieux, hein? L'affaire ici, c'est très sérieux. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Beaucoup d'amour pour vous. Beaucoup, beaucoup d'amour pour chacun de vous. Je livre à chacun de vous un joli bouquet de fleurs. Le téléphone, il va encore faire quoi? Bisous, bisous au Saint-Esprit ce matin. Gros bisous vers le ciel. Du support, amour pour Jésus. Témoin, Seigneur Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Bonjour à chacun de vous. Seigneur, nous te bénissons pour cette journée. Merci pour ta grâce. Merci pour ce que tu nous donnes, que ton nom soit loué, qu'il soit exalté. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es vivant. Prends contrôle au nom de Jésus. Amen. Voilà, que ça, ta journée soit bénie. On va prier à la fin. Hein? C'est aussi mon téléphone. Est toujours en train d'aller. For back, for back. Ah. La, 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 la.
Ta mère. Ok. Non. Là, c'est le nom de Jemima. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité. Je vous dis encore bonjour, que votre journée soit arrosée de beaucoup de grâce, hein, beaucoup de grâce et de bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous élève, qu'il vous donne de passer la plus belle journée de votre vie aujourd'hui. Que le Seigneur remplisse votre journée de belles surprises, de très très belles surprises. Oh, balita wa anazaratoka. Soblemi ina marasten adonai wa ina udali alflosh. Manaser wa in aubali ka udaman shaida udelovo. La kurami wa inas promoros. Unta laketa wa anna baraza wa ina u elivin wa isproden. Gora en abanata wa anna u asparos fleda ukali feles. Emta madoza wa inos moros. In aroba ina ula ikalufu ina usmali al gaza. Seigneur, que ton nom soit béni. Je m'élie mon âme devant toi. Je prie de tout mon cœur. Seigneur, donne-moi les paroles appropriées. Tu connais les souffrances de ton peuple dans le côté sentimental. Tu connais les problèmes que beaucoup de tes fils et filles endurent dans leur foyer et que beaucoup de tes serviteurs même endurent dans leur mariage. Seigneur, toi seul peux nous sauver. Toi seul peux détruire les œuvres de l'ennemi dans leur couple et dans leur vie sentimentale. Je prie que la grâce que tu m'as donnée, la paix profonde et véritable que tu m'as fait vivre, Seigneur, pendant mon mariage, leur soit donnée dans le nom souverain de Jésus. Je prie que le caractère de Momi Shalom et Kané leur soit donné à leurs épouses dans le nom précieux souverain de Jésus. Seigneur, je prie que le manteau que tu lui as donné d'une femme responsable, d'une femme qui aime son mari, qui aime les gens, qui aime sa famille, d'une femme, Seigneur, qui a le sens de la responsabilité, de l'organisation, la patience, la vision, et qui épouse la vision de son mari, Seigneur, qu'une telle grâce leur soit donnée, dans le nom précieux de Jésus-Christ. N'accepte pas, ne permets pas que ta servante soit partie avec tous ses dons et ses talents. Seigneur, laisse-les pour ses filles et pour celles qui croient en elles, dans le nom précieux souverain de Jésus-Christ, de les demander en leur faveur. Amen. Voilà. Je voudrais déjà commencer rapidement parce qu'après le temps court, on est même en retard. Vous savez, j'ai prié que le don que Dieu a donné à mon foyer puisse vous être donné et que le don que Dieu a donné à Momi Shalom et Kané puisse rester avec vous, que ce manteau puisse rester sur vous, les femmes, afin que vous puissiez bâtir vos foyers et non pas les détruire, vous savez. Il faut que les gens comprennent une chose, c'est que lorsqu'une femme n'aime pas son mari, ça se sait. Vous savez, ça se sait. Il y a des femmes qui, lorsque vous les épousez, elles vous séparent de votre famille. Même les hommes aussi. Mais je voudrais un peu m'apesantir sur les femmes. Il y a des femmes qui, lorsque elles entrent dans la famille est divisée. L'homme ne regarde plus son père, ne regarde plus sa mère. L'homme ne communique plus avec ses parents, ni avec ses frères et avec ses sœurs. C'est-à-dire que l'homme qui était aidant pour la famille, désormais, il vit dans une sorte de varice. Ça veut dire qu'il n'est plus capable de prendre soin de sa famille. La mère pose des problèmes, même si la maman est en train de mourir. C'est-à-dire que la femme, elle divise, elle te coupe de ta famille, elle coupe le pont qui te reliait avec ta famille biologique. Mais dans le cas de mon mariage, le Seigneur m'a béni. Je pense que mon épouse, c'est elle, malgré même à l'époque où elle et sa belle-mère et sa belle-sœur ne communiquaient pas, je crois que c'est elle qui m'a poussé à construire la maison à sa belle-mère. Elle me disait, même si je ne cause pas avec ma belle-mère, c'est ma maman, je n'ai jamais aimé quelqu'un comme ta mère, jamais. Et ça, elle pleurait, je la voyais souffrir. Elle souffrait tous les jours, elle pleurait. Elle pleurait, elle me parlait, les larmes coulaient. Je lui disais que je sais qu'un jour le Seigneur vous réconciliera, je sais que le Seigneur vous ramènera. Et puis, elle était innocente dans l'affaire, c'est ça la vérité. Elle était innocente. Ça veut dire que c'est ma mère et ma petite soeur qui n'avaient pas, qui l'avaient mal jugée. Elle a mal jugé parce qu'elle n'avait rien fait. Et puis chacune d'entre elles, elle s'était offusquée dans une certaine vision. Et elle n'avait rien fait. Et elle souffrait beaucoup de cela. Jusqu'au jour où, pendant que j'intercédais pour eux, le Seigneur m'a parlé en vision de parler aux deux. Et j'ai parlé. Et à la fin, elles se sont réconciliées. Elles sont devenues très grandes amies. Donc, je pense que c'est grâce à elles que j'ai conçu la maison à maman. Parfois, lorsque
Je lambinais. Elle disait, non, il faut, et c'est pas bien que ta maman soit en location. Non, fais tout, construis lui sa maison et tout. Elle mettait le feu. Même parfois, quand maman appelait qu'il faut telle chose, je dis, non, maman, attends un peu. Parce qu'il y avait des projets légués. Elle disait, sacrifie certains projets et construis la maison à ma belle-mère. Donc, ça, les gens ne savent pas cela. Et c'est comme ça qu'on a fait, on a construit la maison. Malheureusement, elle n'a pas vu sa belle-mère entrer dans la maison pour laquelle elle s'était battue. Oui, ça veut dire que si ça dépendait de moi, la maison ne serait pas finie à l'heure où elle est finie. Donc, c'est comme ça qu'on connaît une bonne femme. Lorsque une femme aime son mari, elle aime aussi la famille de son mari, elle fait tout. Elle fait tout. Elle fait tout pour que son mari prenne soin des siens. Même mes neveux, qui m'avaient beaucoup dérangé, elle disait non, sois patient, tu vois, il faut les aimer, il faut les aider et tout. Elle me répétait toujours, je n'ai jamais défendu que tu prennes soin de ta famille, mais au contraire, je veux que tu prennes soin de ta famille. Donc, c'était la plus belle âme que j'ai jamais rencontrée. Et elle aimait les gens. Quand vous voyez un homme faire des grandes œuvres dehors, c'est parce que sa femme est d'accord. Parce qu'une femme, quand elle met la clé 14 à son mari, elle ne peut pas aider les gens. Or, mon épouse aidait les gens plus que moi, je n'aidais les gens. Il faut que les gens comprennent cela. Elle aidait les gens. Quand elle donnait l'argent aux gens, c'était après, elle me rendait compte. Après, c'était vertigineux. Parfois, il disait que non, écoute, ce n'est pas comme ça. Il faut aller doucement, ma femme. Donc, elle faisait du bien autour d'elle et c'est elle qui m'encourageait à faire tout ce que j'ai eu à faire. Je bénis Dieu pour une telle femme et je prie que la grâce que Dieu lui a donnée puisse être le partage de ses filles. Que le Seigneur vous permette de comprendre ces choses-là. Voilà, ton mari, lorsque Dieu le bénit, ce n'est pas pour vous deux seulement. Non, non, il faut laisser que sa famille en profite. Il faut laisser que ses parents puissent en profiter. Il faut plutôt l'encourager à prendre soin des siens. Il faut le motiver dans ce sens-là, ne pas être un homme égoïste ou égocentrique, mais à être une personne qui doit faire du bien à sa famille. En fait, quand tu es venu, tu l'as trouvé, il avait une famille, permet que sa famille puisse vivre bien, puisse jouir également de ses bienfaits, les bienfaits de sa richesse, parce que tu es venu, tu l'as trouvé. Peut-être vous êtes battu, mais tu l'as quand même pris à coup de route. Il y a sa maman qui l'a porté dans son ventre pendant 9 mois, qui a souffert les douleurs de l'enfantement et qui l'a éduqué, qui a souffert dans cette éducation. Peut-être elle a même voulu le couvrir. Son papa tapait même la maman parce que la maman essayait de préserver le fils vis-à-vis la violence du père. Et puis toi, l'épouse, quand tu arrives, tu n'as pas connu tous ces sacrifices que sa mère a fait pour lui. Tu as trouvé un homme, même s'il n'avait pas, il était un homme, il avait une identité. Une identité spirituelle, et cette identité, sa maman, son papa ont travaillé à ce qu'il puisse atteindre cet âge et avoir cette identité. Donc, il faut respecter ce fait. Donc, les jeunes dames doivent respecter ce fait et les jeunes hommes doivent aussi respecter ce fait. La femme que tu as épousée là, tu ne dois pas la couper de sa famille, tu ne dois pas la priver d'aller voir sa mère ou bien son père. Il faut faire attention parce que, en fait, lorsque tu l'as trouvée, oui, c'est ta femme, mais ce n'est pas ta propriété exclusive. Il faut que nous comprenions cela. L'épouse que tu as n'est pas ta propriété exclusive. Elle appartient à une famille et tu ne peux pas la couper de sa famille. Couper un conjoint totalement de la sève familiale va apporter des problèmes dans votre foyer. Aucun foyer ne peut réussir lorsque vous êtes complètement coupé de la sève, de la mamelle nourricière qui a fait l'homme ou bien qui a fait la femme. Il faut comprendre cela. Il faut organiser la mamelle nourricière, le cordon ombilical reliant l'homme à sa mamelle nourricière ou bien reliant la femme à sa mamelle nourricière. Donc il ne faut pas couper brutalement, brusquement, totalement les liens avec la famille parce que ça va apporter le trouble dans votre foyer. Parce que pour qu'un foyer réussisse, la sève maternelle et paternelle a un grand rôle à jouer dans la stabilité, le bonheur de chaque couple, vous comprenez? Donc coupez complètement votre foyer des deux sèves, il y aura des problèmes. Vous sentirez dans tous les cas un vide en vous. Vous sentirez un manquement en vous. Vous sentirez qu'il y a quelque chose qui vous manque. La chaleur paternelle vous manquera. La chaleur maternelle vous manquera. La sève, le jus de la sève nourricière vous manquera et vous sentirez un déséquilibre. Donc, pour qu'un foyer soit équilibré, il faudra équilibrer et ordonner ou ordonnancer les relations mari-famille, mari-sa famille et épouse et sa famille. Il faut mettre l'ordre parce que. Si vous gérez très mal, ça va apporter les problèmes. Si vous coupez tous les liens, ça va apporter les problèmes. Et si vous ouvrez aussi toutes les vannes, ça va aussi apporter les problèmes. Donc c'est un domaine qu'il faut réguler. C'est des frontières dangereuses qu'il faut maîtriser. Beaucoup de foyers ont trop ouvert les portes de leur famille dans leur mariage et leur famille ont détruit leur mariage.
Beaucoup de familles aussi ont trop restreint les relations avec leurs familles respectives et ça a porté aussi le déséquilibre, vous voyez. Donc, il faut la discipline, il faut la maturité, il faut comprendre comment ça se passe, il faut savoir, c'est qu'il faut la mesure nécessaire de communication avec ta famille. Chacun connaît sa famille. Chacun connaît comment sa famille est. Chacun connaît comment sa famille se comporte. Donc, c'est à toi de savoir que, ok, vraiment, mes belles, mes soeurs et mes frères sont trop autoritaires. Ils n'aiment pas mon épouse. Et lorsqu'ils arrivent chez moi, si je ne suis pas là, ils vont toujours maltraiter ma femme. Et quand je suis là, ils jouent à l'hypocrisie. Ouais, il y a des frères et des soeurs comme ça. Dès que tu les laisses avec ta femme, ils vont insulter ta femme, ils vont maltraiter ta femme, ils vont redire sur elle, ils vont la juger, ils vont la condamner. Mais dès que tu arrives, il appelle bébé, il appelle chérie. Et quand ta femme va te dire ce que tes beaux-frères, tes frères et tes soeurs lui font, ou bien ce que ta mère lui fait, ou ce que ton père lui fait, tu ne croiras pas parce que tu regarderas l'attitude hypocrite que ton frère aura devant toi, ou bien que ta soeur aura devant toi, ou bien que tes parents auront devant toi. Donc ce qu'ils sont quand tu n'es pas là n'est pas ce qu'ils sont lorsque tu es là. Donc il faut faire attention. Connaissant tes frères, connaissant ta mère qui veut toujours te dire, même toi-même, quand tu es avec elle, elle voulait tout te dire, l'habit que tu vas porter, le lait de toilette que tu dois utiliser, le genre de coiffure que tu dois faire, tu viens, elle te dit non, tu t'es mal coiffé, retourne chez le coiffeur, dis-lui que ta mère a dit que change cette coiffure-là. Connaissant le débordement autoritaire de ta mère, tu ne dois jamais la laisser seule avec ta femme. Il faut faire attention. C'est-à-dire que si ta maman doit venir à la maison vous rendre visite, rassure-toi que ce soit une période où tu seras constamment à la maison. Ou si tu veux sortir, sors avec ton épouse. Dans tous les cas, tu ne laisses pas les deux parce que si tu laisses les deux, alors il y aura des clashs. Pour éviter donc ces clashs-là, il faut que tu prennes de bonnes mesures en tant qu'homme. L'homme doit sécuriser sa femme, préserver sa femme de sa propre famille et la femme doit préserver son mari de sa propre famille. Lorsque tes frères et tes soeurs méprisent ton épouse ou bien méprisent ton mari, la personne à blâmer, ce n'est pas tes frères ou bien tes soeurs, c'est toi la femme. C'est toi qui permets à ta famille de mépriser ton mari ou c'est à l'homme que reviendra la diatribe parce que c'est l'homme qui doit empêcher sa famille, interdire à sa famille de mépriser sa femme et c'est la femme qui doit imposer les lois. Et c'est comme ça que nous avons vécu avec Momi. Je vous dis la vérité. Dans notre couple, nos familles n'avaient rien à dire. Et il y a des choses que j'ai eu à enseigner que certaines personnes ont mal compris. Ouais, je vais essayer de revenir sur ça pour que vous compreniez. Le mariage, la Bible dit que le mariage doit être honoré de tous. La Bible dit que le mariage doit être honoré de tous. C'est en commençant par les parents. Et ce verset biblique est très important. Et si vous ne comprenez pas ce que ça signifie, vous pouvez mal prendre ça. Le mariage, tout le monde doit honorer votre mariage, commençant par ton père. Chacun doit honorer ton mariage. Ton père doit honorer ton mariage. Ta mère doit honorer ton mariage. Vous voyez? Et si les parents n'honorent pas le mariage, il y aura un problème. C'est une loi divine. C'est une loi divine. Il faut honorer le mariage. Chacun de nous doit honorer le mariage. Si tu as un enfant qui est marié, honore. Honorer veut dire respecter. Tu t'arrêtes. Chaque mariage a des lois et des règles. Et les parents doivent se soumettre aux lois maritales, pardon, que leurs enfants ont décidé d'adopter. Ça veut dire que les parents ne doivent pas venir dire à leurs enfants comment ils doivent se marier. Quand vous étiez mariés, vos enfants ne vous ont pas dit comment il fallait consommer votre mariage. Donc, il est normal que les parents comprennent qu'ils doivent être des conseillers et non des acteurs directs dans les couples de leurs enfants. Donc, toi qui es maman, qui as ton fils que tu aimes beaucoup, malgré que tu aimes beaucoup ton fils là, laisse-le bâtir aussi sa maison avec son épouse. Parce que son épouse aussi devient une mère. Comme toi, tu es mère de ton mari, elle devient aussi mère de son fils. Et il ne faut pas troubler la manière dont elle va éduquer ses enfants en troublant la manière dont elle doit vivre dans son mariage. La Bible dit dans c'est Hébreux 13, verset 4, il dit Timios ho gamos en pasin. Il dit en toutes choses, le mariage doit être honorable, il doit être respecté, il doit être honoré. Donc, j'ai eu à expliquer dans mes enseignements précédents que si, par exemple, dans un foyer, je sais que ma mère, avec ma femme, c'est la bagarre, elle méprise ma femme, ou elle n'aime pas ma femme, elle n'aime pas. C'est-à-dire que quand elle vient, c'est tous les trous dans mon foyer, je ne permettrai pas à ma mère de venir chez moi. Si elle arrive, elle ira ou chez l'oncle, ou chez la tante, ou alors.
S'il faut même venir à la maison, elle viendra, on sera ensemble pour un laps de temps, mais elle n'habitera pas chez moi. Pourquoi? Parce que une maman qui se respecte ne peut pas troubler le foyer de son fils. Ou un père, si c'est mon père, qui, quand il vient, il n'aime pas ma femme, s'il arrive, je sais qu'il va maltraiter ma femme, il va la malmener, il ne viendra pas chez moi. C'est une loi divine. Le mariage doit être honoré de tous. Ce n'est pas parce que c'est ton père qui doit venir semer le trouble dans ta maison. C'est injuste. Il doit respecter ta femme parce que ta femme là, comme il t'aime là, il doit aussi savoir que ta femme là aussi un père, ta femme là aussi une maman, elle aussi un parent. Elle a aussi des parents qui l'aiment. Elle aussi l'enfant d'autrui. Donc c'est égoïste lorsque certains parents veulent montrer que leur enfant, la maman veut montrer son fils, veut c'est son fils chéri, il n'y a pas comme ça. Non, l'enfant là aussi, la femme là n'est pas orpheline, elle n'est pas sortie d'un arbre qui s'est fendu. Non, elle aussi, elle a un père, elle a aussi une mère, et il faut respecter ça. Elle a une maman, c'est aussi l'enfant de quelqu'un. De même que tu aimes ton enfant là, sache aussi qu'elle aussi, ses parents l'aiment comme ça, elle a aussi droit à l'amour. De même que tu veux que ton fils soit respecté, que sa femme ne le méprise pas, de même aussi ses parents ne voudraient pas que son mari la méprise pas, ou bien que toi en tant que parent, tu puisses aussi mépriser leur enfant. Donc, ne fais pas trop comme si ton enfant est un super enfant. L'autre aussi est l'enfant de toi, au même titre que ton enfant. Donc les parents doivent comprendre cela et cesser de troubler le foyer de leurs enfants. Un enfant qui est responsable, lorsqu'il se rend compte que son père, parce que le problème ce n'est pas un problème de respect des parents, c'est un problème de souci de justice, défendre une cause juste. Un mari qui est juste n'acceptera pas qu'on vienne persécuter son épouse dans sa propre maison, que ses parents ou bien ses frères et ses sœurs viennent taper sa femme dans sa maison. Ils n'ont pas le droit, c'est une question d'abord de justice. Même Dieu ne permettra pas cela. Même Dieu condamnera ton père ou ta mère si tu ne les condamnes pas, si tu ne protèges pas ton épouse. Donc il faut que les gens comprennent cela. Le respect des parents a des lois et des réglementations divines. Il dit, enfant, honorez. Il dit, honore ton père et ta mère. Enfant, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Voilà ce que la Bible dit. Enfant, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Et la Bible, la loi fondamentale du mariage, c'est que le mariage doit être honoré de tous. Timios hogamos, hen pasin. C'est-à-dire de tous, pas d'exception. Le père doit honorer ton mariage. Ta mère doit respecter les lois et les règles de ton mariage. Vous savez que chaque mariage répond à un temps, à une époque. Et chaque époque a des lois. Et donc, l'époque de l'enfant n'est pas l'époque des parents. Ça fait que les lois et les réglementations... Ouais, les histoires de connexion, c'est vraiment terrible. Donc, il disait qu'il s'agit d'une histoire de défense de la justice. Et il faut que nous soyons bien éduqués dans les Saintes Écritures pour comprendre cela. Parce qu'il y a des personnes qui ont interprété que ça veut dire que je méprise ma mère. C'est-à-dire que demander à ma mère de ne pas venir à la maison à cause de mon épouse, ça voulait dire que je méprisais ma mère et donc ça signifie que ma femme ne pouvait pas vivre. Elle ne pouvait pas vivre longtemps parce que je méprisais ma mère. Je l'aimais tellement que je méprisais ma mère. Non, ce n'est pas une histoire de mépriser la mère. C'est des lois bibliques. Moi, je suis... un homme, je veux dire quoi? Je suis cultivé dans les Saintes Écritures, vous voyez. Toute ma vie, c'est l'Écriture. C'est étudier la Bible, réfléchir sur le fondement de la Bible, comprendre la déontologie des Saintes Écritures et connaître comment il faut se comporter vis-à-vis de telles situations à la lumière des Saintes Écritures. C'est ça que nous appelons l'émission sur la Bible. Vous regardez par exemple dans Ephésiens 6, le verset 1, la Bible dit « Ta tekna upakouete tois goneusin humon » Et dit, les enfants, à vous les enfants, obéissez à vos parents. Il dit, goneusin, c'est-à-dire goneus veut dire le parent, celui qui t'a engendré, ou bien un père. Donc goneusin veut dire le parent, celui qui t'a passé, il y a ginomai dans goneusin, ginomai veut dire celui qui t'a engendré, celui qui t'a donné la vie. Il dit, hen kurio, dans le Seigneur. Dans le Seigneur. C'est-à-dire, obéissez à vos parents dans le Seigneur et non pas hors du Seigneur. C'est pour ça qu'en français, on dit selon le Seigneur. Hein? Il dit encore, ta tekna upaku ete tois geneu sin humon. Enfant, obéissez à vos parents, hen kurio. Votre obéissance doit commencer dans le Seigneur et s'arrêter dans le Seigneur et non pas hors du Seigneur. Ça veut dire selon les commandements du Seigneur, selon la volonté du Seigneur. Donc, obéissez à vos parents, d'après les règles, les lois et les réglementations que Dieu a établies selon, entre les enfants et leurs parents. Donc, ça veut donc dire quoi? Ça veut dire tout simplement que mon obéissance à mes parents doit respecter la volonté de Dieu.
Si ton père te dit va tuer, ce n'est pas parce que c'est ton parent que tu vas obéir. Tu dois désobéir en ce moment-là parce que ce n'est plus l'ordre selon le Seigneur que ton parent te donne. Ça veut dire que l'obéissance à ton père doit s'arrêter où l'obéissance à Dieu commence. À cause de ton père ou de ta mère, tu ne dois pas désobéir à Dieu. Voilà tout simplement ce que ça veut dire. Une personne qui obéit à son père plus qu'à Dieu, c'est-à-dire qui obéit à son père et qui pousse l'obéissance à ses parents jusqu'à piétiner sur les lois de Dieu, jusqu'à enfreindre les lois de Dieu, jusqu'à désobéir à Dieu, lui et son parent sont sous la condamnation divine. Donc on peut dire quoi? L'obéissance et l'honneur aux parents s'arrêtent où Dieu a mis l'arrêt. Donc un parent qui est responsable respectera le mariage de son fils ou bien de sa fille. D'abord même, un parent qui est juste ne peut pas mépriser ou bien maltraiter l'enfant d'autrui. Il ne le fera pas. Parce que la Bible dit que si vous n'êtes pas fidèle dans les choses d'autrui, qui vous confiera les vôtres? Donc tu dois d'abord commencer à être fidèle. Un vrai parent aime sa belle-fille. Il aime sa belle-fille parce qu'il sait que c'est l'enfant d'autrui. Il l'aime même plus que ça, son fils. Quand il y a même des problèmes, c'est même sa belle-fille qui défend. D'abord, avant de voir si son fils a raison ou tort. Non. Elle est toujours derrière pour protéger sa belle-fille. Pourquoi? Parce que la Bible dit que nous ne devrions pas mépriser l'étranger. Parce que cette belle-fille-là est une étrangère dans votre famille. Et la Bible dit que nous devons respecter les veuves, les orphelins et les étrangers. Ça fait les trois catégories de personnes que devons respecter. Les étrangers, ça peut être les réfugiés, ça peut être l'enfant d'autrui qui est venu dans ta maison. Donc cette belle-fille-là, c'est l'enfant de quelqu'un. Ce fils, ce beau-fils-là, c'est un étranger dans ta famille. Et il fait partie des trois catégories de personnes pour qui Dieu ne joue pas. Derrière qui Dieu est debout pour les défendre. La veuve, l'orphelin et l'étranger. Les trois personnes-là, quand vous les touchez, c'est à Dieu lui-même que vous avez affaire. Ces trois catégories de personnes qui ont le soutien inconditionnel de Dieu. Donc dis-toi toujours que c'est l'enfant d'autrui. Mais si tu ne peux pas voir que c'est aussi l'enfant d'autrui, que cet homme a aussi un parent, a un père ou une mère, il faut au moins être conscient que c'est un étranger dans ta famille et que tu as le devoir à ce que son cœur ne gémisse pas dans la vérité et la justice devant Dieu. Donc, c'est ce qu'on doit vous enseigner. Donc, dire que ton père, si ta mère apporte le désordre dans ton foyer, elle ne respecte pas la loi de Dieu, ne l'admet pas dans ta maison, tu ne pèches pas. Si c'est ton père qui doit venir pour taper ta femme, ou bien lui faire toujours le repos, là, gronder devant les gens, gronder devant les étrangers, gronder devant les gens. Mon ami, ne permets plus que ton père vienne chez toi. Ton père ne respecte pas la loi maritale ni la loi de Dieu. Il n'a pas le pouvoir de venir décider sur ton mari. Un parent qui craint Dieu respecte les décisions et les choix de son enfant dans son foyer. Il lui laisse l'indépendance que l'enfant. Oh, la connexion aussi. C'est dans cette indépendance que l'enfant apprendra à devenir parent. On ne peut pas devenir parent sans erreur dans les décisions. Ce sont ces mauvaises décisions-là qui nous donnent aussi de l'expérience en tant que parents pour éduquer nos enfants. Et pour essayer d'aider nos enfants demain à ne pas tomber dans les mêmes pièges. Donc voilà ce qu'il faut que vous compreniez. C'est ça, le vrai mariage. Moi, vraiment, si ma fille vient un jour, elle me dit, OK, papa, voilà, j'ai décidé d'épouser telle personne et que je ne suis pas d'accord, je veux lui dire que vraiment, regarde, voici mon point de vue par rapport à ça. Mais c'est toi qui prends la dernière décision. Le dernier mot te revient. Parce que je ne peux pas choisir un mari à la place de ma fille. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas choisir une femme à la place de mon fils. Ce n'est pas du tout faisable. Non. Non, non. Non, 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 je ne peux pas. Parce que demain, quand ça sera mauvais, c'est moi que l'enfant va accuser que c'est toi qui avais. Non. Laissez vos enfants prendre la décision d'épouser qui ils veulent. Parce que finalement, même quand tu vas choisir un enfant, un mari ou une femme à ton fils, mais pourtant, tu considères que c'est toujours un enfant. Les enfants ne se marient pas, mes amis, chers parents. Le mariage n'est pas pour les enfants. Toi, si le père de ton mari, en tant que mère, faisait ça, toi, la mère de l'enfant, là, elle faisait ça, on te faisait ça, on t'imposait ça, on disait à ton mari comment il doit se coucher la nuit avec toi, tu allais être content. En tant que maman, tu ne serais pas contente. Donc, c'est aussi la même chose que la fille d'autrui ressent dans tes interventions désordonnées dans son foyer. Un vrai parent respecte le foyer de son fils ou de sa fille. Tu ne vas pas diviser, semer le trouble. C'est une irresponsabilité. C'est être parent souffrant de la délinquance sénile. Parce qu'il y a aussi une délinquance sénile, comme il y a une délinquance juvénile. Donc, moi, je pense que les parents doivent être responsables. Soyez des parents responsables. Laissez vos enfants jouir de leur foyer. Ne dis pas toujours que non, c'est chez nous. Chez vous, on fait le tarot. Aujourd'hui, il y a le riz, il y a la sauce basquaise, la sauce bolo. Quoi? Bolo.
Quelqu'un m'aide là, Bolo. Vous-même qui faites la cuisine, là, vous allez m'aider. Bolo, quoi là? Où naisse, où naisse, quoi là? Donc, il faut comprendre. Laisse tes enfants jouir de leur mariage selon les lois et les règles de leur époque. Que Dieu te bénisse. Maintenant, on a parlé des tempéraments. Nous avons parlé de tempérament colérique, on a parlé de mélancolique, on a parlé de sanguin et on a parlé de flegmatique. Donc, je voudrais savoir si chacun de vous s'est retrouvé dans un de ces tempéraments. Je voudrais que nous essayions de discuter là-dessus. Nous sommes à Douala et c'est le dernier jour du séminaire aujourd'hui. Donc, ce soir, à partir de 16h, nous serons en direct pour la clôture du grand séminaire. Le Seigneur m'a dit de demander à chacun, il faut avoir des critères sur les feuilles. Tu as des critères, tu prends ta feuille, tu mets le genre d'homme que tu veux, le genre de femme que tu veux avec ton offrande en connexion maritale. Vous qui me suivez en direct, tu fais aussi, tu m'envoies ça écrit, les critères sur WhatsApp, et tu m'envoies ça sur mon WhatsApp, et tu envoies ton offrande de connexion au numéro que je vais donner, et le numéro que vous connaissez déjà. Donc permettez-moi de chercher le téléphone. Donc, je reprends la recommandation prophétique pour ceux qui ne pourront pas être là en direct. Tu peux aussi faire ton acte prophétique. Tu écris sur un format les critères de l'homme idéal que tu attends de Dieu. Tu écris ces critères-là sur un format. Tu les filmes et tu me les envoies par WhatsApp. Mon numéro WhatsApp, c'est le plus 237 672 13 03 23. Plus 237 672 13 03 23. Voilà, vous pouvez afficher ça sur vos commentaires, s'il vous plaît. Et le numéro orange, le numéro WhatsApp, c'est aussi le numéro Momo par lequel tu peux envoyer ton offrande connexion maritale. Et le orange money, c'est le plus 237 692 40 71 86. Plus 237 692 40 71 86. Voilà. Donc voilà les deux numéros, Orange Money et MTN Money et Momo. Donc tu écris les critères. Tu écris le critère sur un format. Tu filmes. Ou bien sur WhatsApp. Tu écris directement sur WhatsApp. Et tu m'envoies ça sur mon WhatsApp. Et tu envoies ton offrande de connexion maritale pour ce soir par ces deux numéros. Exclusivement ces deux numéros. Voilà. Donc, pendant que tu le fais, que le Seigneur te bénisse, qu'il brise toute malédiction de célibat maléfique dans ta famille. Et je prie que par ces enseignements, le Seigneur puisse donner à ton caractère un boost, un puissant boost pour transformer ton caractère, transformer ton tempérament pour le rendre adéquat à un mariage heureux et un mariage épanoui. Que la main de Dieu te bénisse. Donc, nous avons parlé de tempérament, on a parlé de colérique. Des colériques qui sont les dominateurs, on a dit c'est des bons chefs, c'est des bons dirigeants. Ils vivent pour des objectifs, pour accomplir leurs objectifs. Ils n'ont pas trop d'amis. Voilà, ils n'ont pas trop d'amis et ils se mettent rapidement en colère. Ils prennent trop à cœur certaines choses. Et à cause de cela, et il faut aussi dire que demain qu'ils se fâchent, c'est aussi comme ça qu'ils oublient après. Les colériques ne sont pas rancuniers. Donc ils peuvent se fâcher là rapidement. Lui qui suit là, il rit avec toi, il bavarde. Et toi, tu es. Et si c'est un mélancolique qui est à côté, mélancolique, lui dit mais comment il revient, il rit avec moi comme ça, peut-être vient de me blesser. Non, ils pardonnent facilement les colériques. Comme ils se mettent aussi rapidement en colère, ils se pardonnent aussi rapidement. Et ça fait que lorsque un homme colérique épouse une femme mélancolique, les mélancoliques gardent, ils intériorisent. Vous voyez? Le mélancolique, lui, garde toujours, il ne parle pas. Mais il intériorise. Donc, il peut mourir d'anxiété, il peut mourir comme ça, il peut faire un arrêt cardiaque. Les mélancoliques, le plus souvent, ont des problèmes de cœur. C'est-à-dire des palpitations de cœur, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'il intériorise, il ne parle pas, il rumine ça. En lui. Ça fait que quand une femme est colérique et le mari est. Une femme est mélancolique et le mari est colérique, lorsque le mari blesse, c'est-à-dire que le mari gronde, la femme, il vient avec brutalité là, après l'heure qui suit, il a déjà oublié. Le soir, oh chéri bébé, oh vraiment, viens, j'ai besoin de toi. Il veut sauter sur la femme le met de côté. Elle se demande, mais comment il m'a blessé le matin? Et il revient maintenant, comme si de rien n'était, et puis il veut qu'on fasse comme si de rien n'était, on doit faire l'amour directement là, sans qu'il ne revienne d'abord arranger le mal qu'il m'a fait et tout cela. Et il demande au gars que vraiment, toi tu sais comment? Donc tu as oublié le mal que tu m'as fait? D'après tout le mal que tu m'as fait le matin, la parole dure que tu m'as adressée, tu veux juste faire l'amour avec moi? Non, ce n'est pas possible. Le gars dit que quand? Je t'ai parlé mal quand? S'il te plaît, excuse-moi, je ne savais pas que j'étais mal parlé. Il a oublié. C'est sa nature, il l'oublie complètement.
Il ne porte pas. Son cœur, il évacue. Le colérique évacue. Quand il se met en colère, il faut comprendre cela. Et si le colérique ne comprend pas, il va dire à sa femme que tu gardes rancune, tu es rancunière. Donc, ce qui a été fait le matin, là, il demandait excuse, j'ai demandé pardon. Là, donc, toi, tu n'as pas oublié. Maintenant, pour aller vers toi, faire l'amour avec toi, il faut d'abord que tu me passes par le tribunal. Or, il faut qu'il comprenne aussi que comme lui pardonne, il blesse rapidement, il pardonne aussi rapidement. L'autre, lui, pour sortir de cette blessure-là, il lui faut du temps et qu'il accorde du temps à sa femme et qu'il comprenne sa femme. Il s'adapte un peu au rythme de sa femme, qu'il essaie de temporiser son tempérament pour s'adapter aussi un peu à celui d'autrui. Donc, le mélancolique, c'est un peu cela. On a vu que le sanguin, c'est quelqu'un qui parle beaucoup. Voilà, qui parle beaucoup. Mais tous ces tempéraments, on peut les canaliser avec le Saint-Esprit, l'enseignement de la Bible. Et parce que le sanguin, le débordement, les défauts de son caractère, c'est qu'il risque toujours d'être en train de dire ce que tu lui fais à son père et à sa mère. Elle va toujours parler à son père. C'est le mal que tu lui fais. Chaque fois qu'elle est énervée, son père sera au courant, ses frères seront au courant, ses soeurs seront au courant. Et c'est ça un peu le défaut. Les voisins, ça ne va même pas. Les voisines même seront au courant. Les voisins seront au courant. C'est ça un peu le défaut du sanguin. Donc, mais avec l'enseignement du Saint-Esprit, le sanguin peut commencer à garder le secret, apprendre à garder le secret et à apprendre à apprivoiser son tempérament et devenir maître de son tempérament. Donc, le danger, c'est quand un tempérament devient maître de la personne, alors les défauts sont plus que les avantages. Mais lorsque la personne devient maître du tempérament, on peut vivre avec cette personne et bâtir un joli foyer épanoui. Donc, c'est un peu ça avec le sanguin. Le phlegmatique, lui, le problème, c'est quoi? C'est qu'il est très moumou. Si le phlegmatique ne prend pas le dessus sur son tempérament, il peut devenir efféminé. Vous voyez? Si c'est un homme, il peut devenir efféminé. Donc, peut venir, tout le monde va dire n'importe quoi à ton foyer, et puis lui, il ne comprendra pas, il sera toujours là, il va dire oui, et ce sera un béni, oui, oui, et tout le monde viendra contrôler ton foyer, il ne dira jamais non. Lui, c'est toujours oui, et puis il sera comme une marionnette dans ton foyer, et puis ça va créer des sérieux problèmes, vous voyez. Donc, les phlegmatiques, c'est des personnes de paix, ils n'aiment pas les problèmes, ils ont peur des problèmes. Mais aussi, dit que le phlegmatique ne se met pas le plus souvent en colère. Ah ouais, il ne se met pas rapidement en colère. Mais quand il se met en colère, ce n'est pas aussi bon. C'est très dangereux. Donc, que le Seigneur te bénisse. Chacun doit me dire ce matin quel est son tempérament en commentaire. Écris-moi ton tempérament. Tu es quoi? J'ai dit qu'il y a toujours deux tempéraments le plus souvent. On a un tempérament dominant et un tempérament latent. Mais on peut faire l'équilibre entre les deux tempéraments, vous voyez. Moi, j'ai un tempérament colérique et mélancolique. Toi, ton tempérament, c'est quoi? Que le Seigneur te bénisse. En commentaire et en appel direct, tout à l'heure, on va travailler ensemble. Que chacun me dise son tempérament et le tempérament de son conjoint. Si vous êtes marié, votre mari, lui, quel est son tempérament? Qu'est-ce que vous avez décelé dans son tempérament? Et ce soir, nous allons continuer le travail en direct. Nous allons prier, bâtir des hôtels de mariage. Et pendant que nous le faisons, s'il te plaît, ne t'amuse pas. Connecte-toi à cette grâce. Connecte-toi à cette grâce. Envoie ton offrande de connexion maritale par Orange Money ou bien par Momo et connecte-toi en direct ce soir avec nous. Pendant que nous, on le fera ici à Douala, dont l'église est située en Dogbon derrière l'immeuble Kamlay. Que le Seigneur te bénisse pendant que tu te connectes à cet acte prophétique et que sa main qui surpasse toutes choses parle en ta faveur. Mon but, c'est que ton caractère puisse être préparé au mariage et mon but, c'est que cette année-ci ne finisse pas sans que tu ne sois marié. Alors, on va passer à la phase des appels rapidement. Les appels, chacun va dire quel est son tempérament et ce qu'il a retenu. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. Comment vous allez? Bien, pas mal. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu et quel est votre tempérament? Mon tempérament, c'est que je bavarde beaucoup. Après, j'oublie et je me calme et tout. Vous dites? Et pour mon conjoint, pour lui, il est... Il est toujours calme, il prend ses mains en douceur. Non, dans ce cas, s'il est trop doux, ça il n'est pas colérique, il est soit phlegmatique, il peut être phlegmatique, mélancolique. Oui, phlegmatique, mélancolique. Oui, mélancolique veut dire que bon, il est renfermé sur lui-même, et puis phlegmatique veut dire qu'il est doux. Oui. Mmh. Il est renfermé, il n'aime pas trop de joie, il n'est pas dans les yeux, il n'est pas trop épanoui. Oui, c'est mélancolique, mélancolique, phlegmatique. D'accord. Qu'est-ce que vous avez retenu, en gros, de ce séminaire? En gros, de ce séminaire, j'ai retenu beaucoup de choses. Et grâce à ce séminaire, je me mets aussi la main, je deviens aussi un peu, le tempérament baisse un peu. Mm-hmm. Et lui-même aussi, quand même étonné. Mm-hmm. Ça le déjà un peu à aimer le Seigneur, parce qu'il faut aussi l'émission déjà avec moi. Oh, gloire à Dieu. Est-ce qu'il est là ce matin? Non, il est parti au camp. D'accord, passez-lui mon bonjour. Hein.
Merci papa. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Amen Merci de papa. votre appel. Ça, c'est extraordinaire. Waouh. Merci. Appelez-nous, dites-nous quel est votre tempérament, quel est le tempérament de votre conjoint si vous êtes déjà marié. OK? On veut voir, je veux vérifier quel enseignement, si vous avez bien compris l'éducation sur les quatre tempéraments. Donc, on va prendre un autre appel. Allô, bonjour. Hello, Allô, Daddy. bonjour. Good morning, sir. Ah, good morning, how are you? I'm fine, Daddy. D'accord, quel est votre tempérament? My problem is that now. Daddy, I don't know what is happening with my life. So the problem is that Daddy, each man that I'm with now, that you will not stay for long. You understand now? Okay, you are I don't coming know what's from going wrong. okay, which People city? think we're going well, but Yes, now I yes. don't understand what is going wrong. From where are you calling? I'm in Douala, in Douala. Okay, Daejeon. don't miss tonight. Come, please. I invite you to come to the church tonight. Come. Let All us right, Daddy. come with the closure of this program. Please come. Let us pray together, face to face. Merci. Elle vient face à face. D'accord. Quel est votre tempérament? C'est un peu la question que nous voulons répondre, à laquelle nous voulons répondre. Allô, bonjour. Allô mon frère, bonjour. Je suis contente de vous avoir au téléphone. D'accord, moi encore, je suis plus content que vous. Hein. Que Dieu vous bénisse. Je suis Eborova, j'étais là-bas. Bon, papa, il n'y a pas le temps. Moi, D'accord. j'ai beaucoup de choses. Je dois venir là-bas le temps pour qu'on en parle un peu. D'accord, quel est votre tempérament? Quels sont vos tempéraments? Autoritaire. Bon, pas autoritaire, ça veut dire colérique. Vous êtes colérique. Oh, colérique, oui, colérique, Oui. oui. Vous êtes marié. Pas encore mon père, je sais beaucoup de choses, je dois vous dire, mais le temps, si c'est pas le moment, parce que le temps est petit. Non, le temps est trop petit, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Donc, colérique, là, ça veut dire que si vous êtes autoritaire, vous aurez du mal à vous marier, à avoir un homme. Parce que les hommes n'aiment pas les femmes autoritaires. Vous voyez? Donc, il faut travailler vraiment ce tempérament-là. Il faut l'apprivoiser. Apprivoiser votre tempérament. Sinon, vraiment, vous aurez toujours des problèmes avec les hommes que vous allez croiser. Vous comprenez? Oui, mon père, pourquoi vous ne venez pas faire ça ici, Bolo? Nous, si on vous veut ici, Bolo, va. Je vais arriver, je vais trouver deux personnes là-bas. D'accord, que le Oui, Seigneur vous il y a des gens. bénisse. Vous bénisse. Au nom de Zamba, ça veut dire qu'il va pleuvoir. Donc, que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Voilà, femme autoritaire, c'est dangereux. Les hommes n'aiment pas les femmes autoritaires. Oh, madame, oh, deviens une femme. Deviens une femme, ma fille, pardon. Allô, bonjour. Allô, bonjour, mon père. Oui, bonjour. Alors, quels sont vos tempéraments? Bon, moi, je vous appelle depuis normalement, c'est Monsieur Megou. Vous dites? Monsieur Megou Michael, je m'appelle maintenant Monsieur Megou Michael. D'accord, quels sont vos tempéraments? Ça, on a déjà compris. Vos tempéraments, c'est quoi? Bon, mon père, moi, je voulais te dire depuis le matin, maintenant que ces paroles me touchent. Moi, je suis prêt. Vraiment, je n'arrive pas à comprendre ce que vous dites, s'il vous plaît. Désolé. Voilà, on va donner le temps à quelqu'un d'autre qui peut répondre facilement à la question. Vous qui êtes à Douala, retrouvez-moi ce soir une femme d'Ogbon. Vous êtes bénis parce qu'on est en direct. Je suis dans votre ville. Donc ce soir, ne manquez pas à partir de 16h en Ogbon. L'église est située derrière l'immeuble Kamlay. C'est la paroisse Réma. La congrégation baptiste camerounaise Réma. Paroisse Réma. Donc ne manquez pas tout à l'heure à partir de 16h. Tous les habitants de Douala, passez l'annonce. Le prophète est là. On clôture aujourd'hui. Viens avec l'offrande de votre marital, avec le jardin que tu appelles le critère. Je mets les genoux dessus. Allô, bonjour. Elle est partie. Pour ceux qui regardent en direct, qui ont besoin de briser cette malédiction de célibat dans leur vie, dans leur famille. Mais si tu es marié, pense à ta famille. Donc tu peux poser cet acte prophétique-là après l'émission. Tu écris les critères de l'homme que tu veux, de la femme que tu attends. Oh mon Dieu, Baratawa Inas Morazo. Et tu envoies ça sur WhatsApp avec ton offrande par Momo. J'ai donné les numéros. Les numéros sont là, ça sera encore affiché après l'émission. Et donc, tu fais ça, et puis on va voir ce que le Seigneur fera. Je veux prier avec ceux qui seront en ligne, tous ceux qui se seront connectés, qui auront envoyé l'offrande de famille, de connexion. On va prier pour eux en ligne ce soir. Allô, bonjour. Bonjour, papa. Alors, quels sont vos tempéraments? Mon tempérament, c'est que j'aime rappeler les choses qu'on peut faire dans un foyer. Et chaque fois que je propose quelque chose, on n'accepte jamais. Oui, c'est votre tempérament là. Moi, mais j'aime pas encore étudier ça. C'est le haut niveau, higher level là-bas. C'est-à-dire que vous n'avez pas bien suivi. Vous êtes dans quelle ville? Je suis à Yaoundé. À Yaoundé, d'accord. Dans tous les cas, le séminaire à Yaoundé commence la semaine prochaine. On sera là la D'accord. semaine prochaine. Ça sera très fort.
à Yaoundé. Ah. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu donc du séminaire? La mer, vous avez retenu quoi? Vous bégayez. Oh, le temps. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Je comprends que l'histoire du tempérament, là, c'est quand même, ça demande un peu d'intellectualité, mais ça va, Dieu va nous aider. Si vous ne maîtrisez pas le tempérament de votre mari ou de votre femme, vous aurez les problèmes. Allô, bonjour. Importantissime de connaître le tempérament de celui que vous voulez épouser. Allô? 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 Oh, la personne est partie. Hier, nous avons vu les femmes qui tapent leur mari. On va continuer sur ça, ce soir en direct à Douala. On a vu les hommes qui tapent sur leur femme. Hier, beaucoup de couples se sont réconciliés en direct. Donc, soyez connectés ce soir à partir de 16h. On va aborder. Il y a beaucoup de femmes qui tapent sur leur mari. Elles vont nous dire pourquoi elles ont tapé sur leur mari. Qu'est-ce qui s'est passé? Allô, bonjour? Allô? Allô? Mais qu'est-ce qui se passe? Allô? La personne pourtant dit. Donc, je disais que ce soir, nous allons écouter les confessions de plusieurs de nos sœurs qui tapent sur leur mari. Elles nous diront ce qui se passe. Qu'est-ce qui les a poussés à taper sur leur mari? Qu'est-ce qui peut bien pousser une femme à taper sur son chéri? Et on va voir cela. Et si c'est possible, on va écouter certains de ses frères qui vont nous expliquer comment est-ce qu'ils peuvent accepter qu'une femme batte sur eux. Et on va prier pour la réconciliation de ce genre de couple. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, Bonjour, bonjour. Bonjour, papa. Voilà, bonjour. Alors, quels sont vos tempéraments? Je suis colérique, papa. D'accord, ça c'est le tempérament prédominant. Et votre deuxième tempérament, c'est quoi? Je ne crois pas que je suis autoritaire. Même si j'ai un ami, mais je vais toujours prendre le dessus sur lui. D'accord, quelqu'un a écrit que toutes les femmes de l'Assemblée se sont autoritaires et colériques. Et c'est sérieux, hein? C'est sérieux. Parce que ça, c'est un problème sérieux en ce qui concerne les déceptions sentimentales. Parce Oui, que, papa. oui, ça veut dire que comme vous êtes colérique, est-ce que vous comprenez? Oui, papa. Oui, comme vous êtes colérique, ça veut dire que si votre tempérament vous domine, vous n'aurez pas de mari, ça sera compliqué pour vous. Papa, très compliqué, c'est très compliqué. Moi, je n'arrive pas à comprendre la situation. J'essaie de prier pour apaiser mon cœur jusqu'à là. Mon cœur chauffe jusqu'à. Je ne sais pas. Je chauffe trop. De même à la maison, je gronde, je suis toujours fâchée. Je n'ai pas un sourire. Je ne sais pas. Après moi, il y a quelque chose qui me dira, mais je ne sais pas. Oui. Même si c'est avec la mère, le père, tout le monde, même les enfants, je me fâche tellement. Je gronde, toujours en train de gronder. Et Oui. quand je veux quelque chose, tant que je n'ai pas la chose là, je ne reste pas tranquille. Oui, ça c'est Donc, vraiment, c'est typique au colérique. Ça veut dire que voilà. votre tempérament a pris le dessus sur vous et le diable peut s'utiliser, peut profiter de votre tempérament pour vous amener au débordement. Vous êtes dans quelle ville? Je suis à Douala, papa. D'accord. Et si vous serez là ce soir? Je suis là tous les jours, D'accord, papa. c'est bon. Trouvons-nous le soir, on va arranger ça. On va prier pour vous. D'accord, Tous ceux qui d'accord. ont perdu contrôle sur leur tempérament, je crois au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a donné ce tempérament. Comme bénédiction, nous aidera à les apprivoiser au nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, quand le tempérament prend le dessus sur vous, c'est mauvais, c'est très dangereux. Allô, bonjour. Oui, bonjour, papa. Oui, bonjour. Comment vous allez? Oui, je vais bien, papa. Merci. D'accord. Quels sont vos tempéraments? Oui, mes deux tempéraments, le plus prédominant, c'est le sanguin. Oui, le sanguin. C'est-à-dire que je suis ouvert et j'aime la compagnie des autres. Et l'autre tempérament, c'est le mélancolique. Oui, c'est-à-dire, il y a des moments, je suis renfermé sur moi-même. Je suis un peu dans mon monde, là. Donc, c'est deux tempéraments presque opposés. Oui, papa. Comment Donc, est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous avez un conjoint? Oui, j'étais marié, papa. J'étais marié, ça s'est mal passé. Je pense pas la tâche, je vais me reconstruire. Amen, amen. Que le Seigneur vous rebaptise. Qu'il vous bâtisse une Amen. maison stable. Qu'il vous console au nom souverain de Jésus. Amen. Est-ce que vous Amen. avez retenu du séminaire? Ce que j'ai retenu du séminaire, papa, c'est que le mot mariage, même d'abord, est dérivé du mot. Oh, voilà, le crédit est fini. Ou alors c'est la ligne s'est coupée. Donc merci, que Dieu vous bénisse. Alors mes chers amis, je vous aime de l'amour du Seigneur Jésus-Christ et je vous aime, je prie pour vous et je porte dans mon cœur que la main de Dieu soit sur vous. Je bénis ta journée au nom souverain de Jésus. Tout mauvais plan de l'ennemi contre ta vie est anathème au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande la paix
la joie, la vie, le mariage dans ta vie en cette journée. Que le Saint-Esprit te conduise dans les sentiers de justice, de paix, de sainteté, de pureté, de sanctification et de crainte de l'Éternel. Que cette journée soit la plus belle de cette semaine au nom souverain de Jésus de Nazareth. Va et n'aie pas peur, le Seigneur est avec toi. Que toute attaque contre ta vie sentimentale pour la déstabiliser soit anéantie et néantisée. Dans le nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth, tu verras et tu vivras les bonheurs dans les foyers. Dans le nom souverain de Jésus-Christ, tu dis Amen. Et cette prophétie, cette prière prophétique est accomplie dans ta vie au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez le numéro WhatsApp que j'ai donné. Regardez dans les commentaires, vous avez le numéro WhatsApp. Et puis vous avez aussi Momo en même temps et Orange Money pour faire vos offrandes pour les connexions, pour le mariage ce soir. Que Dieu te bénisse. Connectons-nous très nombreux à partir de 16h. Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Shalom.